Et salut tout le monde, c'est Burilace. On se retrouve pour la quatrième vidéo sur Until Dawn. Et donc on va commencer la suite des événements. Donc c'est parti. On va s'y passer lors des précédents épisodes. C'était juste une blague, Anna! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Alors, salut ici. Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer... 8h jusqu'à l'aube. Inhibitions et vous offrez entièrement à la volonté des autres sublimement chacun de vos désirs au lubie de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux là. Je suis sérieux à mort. Ah, oh, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Ok, esprit, es-tu là? Eh oh, décrochez, esprit du téléphone. Abracadabra. Arrête. Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main, les gars, ou un signe de croix. Bon, si vous continuez pas sérieusement. Ok. Esprit, es-tu là? Quel que soit l'endroit. Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui te bouges? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur? La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. À qui parlons-nous? Bess? C'est toi? Oh bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment de Bess, on va... Peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Oh, ok. Laisse-moi réfléchir. Bess, on veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu peux nous raconter? H. A. N. Ça épelle Anna. Attends, ça continue. T. U. E. Oh, c'est pas vrai. Tu es. Les gars,
Les gars, mais de quoi ils parlent, là? Je sais pas si je peux continuer. Il le faut. Garde ton calme. Je pense que ça veut dire que... quelqu'un a tué Anna. J'en sais rien. Bon, alors, pose-lui d'autres questions. Ok. Ok. Qui a tué Anna? Qui c'était? B? I? B? Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B? R? E? U? Preuve, il y a une... dans la bibliothèque. Ah! Oh merde! Chris! Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, hey, du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. C'est quoi? On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien pris. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Cool. On retrouve Mike. Jess? Sur le chemin de la cabane. Jess! Et Jess qui fait sûrement du... fait de la luge sans luge. Alors. Jess? Kerry? Lumière de ma vie? Jessica? Oh, allez! Jess? Jess, t'es là-dedans? Wow! Ça m'a foutu les jetons, ce truc. Qu'est-ce que c'est là, en plus? C'est marrant. Jess, ok. Où t'es passé? C'est vraiment pas drôle. Il fait dans son froc. Y'a bon. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que je t'aurai trouvé. Ah oh, bordel! Non! C'était trop drôle! Mais non! Attends, faut que tu vois ça. Je veux rien voir. Non, Mike. Non. Quoi? T'as filmé ça? Oh, regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Tu quoi? Je vais te... tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais. Va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein? Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Oh putain. J'ai vu que t'étais là. T'es où? Viens te battre comme un homme. Cache pas comme une fillette. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Conseil? Je crois que c'est un conseil. Ouais. Là, c'était quoi ça? Ah oui, c'est machin. Mouais.
Attends. Je vais aller là-haut d'abord. Comment on fait pour aller vite encore? Je sais plus. Ouais, Mike, je suis en train de le faire devenir drôle. Je suis en train de le faire un gros comique. Je suis en train de me demander si c'est pas le chemin que. Si, en fait, je crois qu'on est en train de faire le chemin inverse. Enfin, on est en train de revenir sur nos pas en fait. Ouais, donc il faut avancer vers là. Ça n'empêche le chemin qu'il faut faire pour aller à 100 trucs là. Bah abusé. C'était quelqu'un qui criait? Non. Non. Sûrement un écureuil ou. Je sais pas. C'est flippant. Putain, y'a un truc qui brille là-haut. Ouais, un truc qui brille là-haut. Non? Oui! Y'a quelqu'un? Ah bon? Ça va pas remarquer. Ok, mais moi je suis arrêtable et je suis devenu plus courageux. Bordel! C'est pas possible. Ouais, fallait par où là? Continue tout droit quoi. Ah, je crois qu'on est enfin arrivé. C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi? Le gîte. Je l'adore. Ouais. C'est pas le gîte, ça, quand même. La blague. Vieux masque trouvé. Un vieux masque de mineur, le nom à l'intérieur indique qu'il appartenait à un certain Billy Bates. Ok. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trempé. Hey, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Je
Vas-y, il y a quoi d'autre là-dedans? Il y a rien d'autre. Je suis au mur. Là, si j'arrive à y aller un jour. Ah, c'est des oiseaux, je me disais, ils avaient des têtes bizarres. Ok. On lance. Shit. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Ok, mon vieux. Mais... je vais faire ça vite et bien, d'accord? Oh, non, 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 non. Ok. Ok. Oh, bon sang. Comment je... je peux pas regarder ça. Ok. 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 Oh oh ah Mike, qu'est-ce que t'as fait? Bordel, non, c'est venu. Go go oh, putain, c'était quoi ce truc? Non, c'est rien. Il y a un pont là-bas. Regarde, Mike. Amène-toi vite. Fais le temps, bordel. Ah, putain, il fallait monter. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Ah, typique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok... Une lady aimerait se blottir contre son homme, devant un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, ouais. Le feu et la lueur des flammes.
Ouais. Ah là là. Bon, on va trouver ce feu. Enfin, comment allumer ce feu surtout. En tout cas, on va essayer. Ah, voilà pour le problème de la lueur. Bien. Le bois est prêt. Manque plus qu'une allumette. Oh, merde. Bordel. Mike. Quoi? Oh, merde. Quoi? Putain, téléphone. Elle est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Quelle gourde. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur. Parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Je suis désolée, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc peu importe. Hé, je vais me racheter. C'est promis. C'est bon, c'est qu'un portable. Pas chier un portable. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai? Non. Oh, Jess! Regarde ça! C'est un feu, j'espère? Non, c'est plus cool. Alors? T'aimes mon joujou? Pourquoi les armes rendent les hommes complètement dingues? Rien. Ok. Elle ne comprendra jamais notre relation. Ah là là. Bon, on va allumer ce feu. Ou je sais pas, j'aurais bien fouillé encore la maison en fait avant. Parce que j'ai peur qu'il se passe des trucs et après que je pourrais plus fouiller. À moins que tu aimes ploter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Oh bah perso, moi je préfère la glace. Le feu j'aime pas trop, c'est trop chaud. Super. Parfait pour allumer la flamme. Oh. Hey, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est rien, c'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot, t'as tout cassé. Il doit y avoir un courju, je pense. C'est toi qui as un courju. Une photo encadrée d'Anna jouant au tennis. Anna décroche le bronze au tournoi sur une invitation junior d'Alberta en 2013. Mmh. C'est cool. Là, il y a quoi là? Tu dois allumer un feu, Michael, pas écrire un roman. Ça va te prendre encore longtemps. Ouais, à peu près 10 minutes. Ah, mais en fait, je cherche, il n'y a pas de. Je cherche, il n'y a pas d'indice, des trucs comme ça. On sait jamais. Enfin, l'indice de. Des trucs cachés, quoi. Il fait tellement froid ici maintenant que ma langue resterait collée à ton main. Ouais, c'est pas grave, c'est pas le mien.
Édité par Tom Eaton, le Kama Sutra, d'accord. Ah, bien vu. Ah, d'accord, je voulais pas le fermer, mais bon, c'est pas. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le lire pour savoir c'est quoi. Dégage, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Oh, putain, putain de bordel de merde. Je crois que c'est quoi, Mike? Allez. Je crois voir une onde, mais bon. En fait, j'en sais rien. Bon, ouais, je crois qu'on va pouvoir allumer ce feu. Hein. On n'a rien trouvé de spécial, donc. Ah. Ça va, t'es toujours là? La forme? Ok, il n'y en a qu'une, d'accord. On est pas dans la merde. Le feu zéro. Très bien joué, bravo. Très bien, Malady. Et ensuite Je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Bah, oh, putain. Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas, C'est juste que je le sens pas encore. Il faut peut-être qu'on se lance, tu vois, comme pour sauter dans une piscine. Quoi? Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Sérieusement? Et tu pensais que ça marcherait? Ça fonctionne toujours. Obsédé. Mike, les volets. Quoi, les volets? Tu peux les fermer, s'il te plaît? Tu sais, y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Hein? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Putain, ce bonbon, cette fille. Ah, en plus, je dois faire les manœuvres et tout. Casse bonbon. Voilà, contente. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi? Tenir bon? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. J'espère. Quoi? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... tenter de savoir si tu es plus mignon que con. Ok. Wow. Ah oh, purée. Alors eux deux, ils me font bien rigoler quand même. Hein. Ah là là. Les couvertures. Ouais. Les couvertures arrivent. Ah ça c'est une couverture non?
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Couverture comme par hasard. Madame, vous avez commandé une couverture. Et pour vous, monsieur? Je veux quelque chose de doux, de chaud et de nu. Je pense que l'on peut trouver ça. Mike, c'est quoi ça? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite. Ok. Vas-y, on va faire du fight. Merde. Ouais. C'est quoi ça? C'est ton téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain! Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille, et juste quand on commençait à... Hé! Hey! Ouais, connard! Oui, vous! Je sais que vous êtes là! Ça avait rien d'humain par contre. Et c'était pas un ours non plus. Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Ouais, mais on va s'arrêter là. Parce que... on vient de passer un moment très tendu et... là, ça se on va dire que ça se remet en place niveau Josh avait l'air de vraiment niveau du calme, on va dire. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup, mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs? C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allé trop loin. Bref, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite avec, donc là je sais même plus c'est qui déjà, Ashley et Chris, voilà. Bref, donc sur ce, ben, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.